couper la radio parce que sinon je suis monté l'autre jour, on était faire du karting. En revenant, j'ai un peu ouvert. Et à 2h30, il a commencé à tanguer. Et en fin de compte, j'étais sur position normale. Et donc j'ai lâché les gaz, j'ai mis en mode sport et après ça a été. Mais comme quoi, il y a une différence quand même. Ici, par exemple, il est en mode normal. Il est un peu bateau comme ça, tu vois. Et quand tu mets en mode sport, tu as les vitesses qui changent différemment. Et alors, tu as aussi la suspension, le volant qui durcit. Ici, là, j'ai boosté sur TRX. Je me mets en mode sport. Et alors, écoute, je sais même pas t'expliquer, tellement que c'est hyper compliqué. Que tu sais modifier tout ça. Les suspensions pour le. Configuration tout. Sport, ça, rien. Voilà, sport, les palettes. Là, tu sais. Non, mais attends, en plus, tu as des. Automatique, bazar, même custom. À un moment, je me suis retrouvé dans des réglages. Comme tu as un départ arrêté, tu vois, comme en Formule 1. J'ai jamais utilisé. Hein. C'est très, très agressif pour la transmission, hein, ça. Oui. Ça y ressort tout en un coup. Hein. Oui. C'est emballer le moteur et embrayer d'un coup. Et alors, on a une petite communauté, comme ça, tous les Dodge qui se disent bonjour. J'ai des strobo à l'avant, regarde, tu vas le voir en plein jour, hein. Regarde, je vais les faire fonctionner. Regarde en plein jour, regarde la voiture là, regarde. Alors, je te dis que la nuit, sur l'autoroute, les voitures, ça dégage. Je vais faire chauffer un petit peu le moteur, hein. Tu vas voir, l'accélération, elle est assez monstrueuse. C'est un V8 de quel cylindre ? 6,2. Il a 710 chevaux. Avec un compresseur ou Je crois qu'il a 3 turbos, je crois. Mais tu sens le sifflement. Hein. Oui. Et alors, quand tu mets la patate, ben c'est pas bon. Il part, il a tendance à chercher la route. Oui. Les pneus aussi, ce sont des pneus tout terrain. Oui. Et en plus, les pneus sont limités à 170 km/h. Et celui-ci, il est exceptionnellement débridé. C'est tous les Dodge vendus dans le monde, je pense même les F-150, le Raptor et tout ça, hein, ils sont tous bridés à 160, 165. Je vais le mettre à l'essence parce que quand tu ouvres et tu demandes la puissance, c'est mieux de le faire à l'essence. Par exemple, tu reviens de la Côte d'Azur, tu roules à 180 au gaz tout le temps, 180, 200 tout le temps. Quand tu arrives, tu n'as plus de collecteurs, ils sont fissurés et tout. Parce que la. C'est fou de l'extension. 3200 kg, hein, c'est quand même. 3 tonnes de vide. Ouais. C'est plus que notre camionnette, hein, Saint-Martin. Ouais. Il fait 2 tonnes 5 à vide. Et c'est un automatique. Hein. Alors. De sport, hein. Oui, c'est incroyable, oui. Hein. Et derrière, je peux te dire. Martin, faut éviter de freiner, hein. Attends, moi j'accélère et toi tu freines. Mais ce
j'adore ce côté. C'est dingue l'accélération. J'ai bien l'impression que c'est un compresseur avant. Ouais. Le sifflement qu'on entend. Le sifflement, je crois, ouais. Je crois que c'est un compresseur. Et on peut le pousser avec ce même moteur. Ils m'ont proposé de me le pousser à 1000 chevaux. Mais je... C'est pas... On a déjà des retraites permis pour moins oui, que ça. Oui, 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 c'est sûr. Tu sais que on appelle ça un Dodge. Quel type? Ram. Alors, TRX. Ok, oui, c'est le Dodge Ram TRX. Et en anglais, je ne savais pas. Hein. En anglais, ça se prononce TRX, c'est comment? T-Rex. T-Rex. Dans la boîte à gants, dans le fond de la boîte à gants, tu as dans le plastique un dessin d'un Dodge Ram avec un T-Rex au-dessus qui tient dans sa gueule un Raptor et tu vois le force d'un Raptor. Et c'est fou comment ils s'amusent, hein, les constructeurs. Oui, 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 oui. J'ai appris dernièrement que sur une, je ne sais plus quelle version de la Ford Mustang, mais qui est une version où, plus de 700 chevaux, je pense. Hein, c'est une Mustang Shelby. Ah oui, une Shelby, ou, ouais, 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 ouais. Désolé, hein. Il y a des gens, ils veulent pas laisser passer. À moins que...
bien. On est bien, mais... On se sent en sécurité, en tout cas. Oui. Il y a le système d'horizontalisation qui se met. Voilà. La petite plaque dit que c'est un moteur V8 avec un compresseur de 6 litres 2, 702 chevaux et. Ouais, oui, voilà. C'est un compresseur de 2 litres 4 de cylindrée à double. Double vis quoi. Ouais. Le mec il passe là où passent les voitures. Oui. Oui, ça. Oui. Et... À l'aise. Oui. Oui, c'est pas le gros semi-remorque. Ça va aller moins vite, hein, Martin, je te préviens. Mais c'est bien le compresseur. Ouais. C'est indiqué sur le titre. Là. En fait. C'est. Bandelas Edition. Ah, superchargeur. Voilà. Ouais. Voilà, ah, ben ouais, c'est ça alors. Compresseur à double. Ah, c'est 702 chevaux. Oui. J'avais pensé 710. C'est 702 HP. CC, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la cylindrée des compresseurs. Ah, donc, c'est un double compresseur. Et en boost, 11 PSI. C'est plus la conversion PSI bar. Je ne sais plus. Ah, mais c'est ça que tu. Accélère un peu, un petit peu l'accélérateur. Je vois qu'est-ce qu'il fait. Ah, t'as vu à un moment, il bloque le verrouille. Il verrouille le pont, hein. Oui. Oui, il l'a fait, ce soir. Après, t'as l'a lâché. Même à cette vitesse. Oui, j'ai vu qu'il a verrouillé, puis il a arrêté de verrouiller. Chercher la Buzz Volkswagen Buzz, tu vois laquelle c'est, le petit bus VW, oui. Oui, en électrique. J'ai pris en orange, il sert pas mal. Oui, on va travailler minibus ou camionnette. T'as une sortie ici très rapide, oui. Hein, ouais. C'est bête, mais là ils vont sortir le 7 place. Ah. Ah oui, une version un peu plus. C'est un beau modèle. Hein. Oui, c'est un très joli. Une bonne vision. Oui. Allez, on va repasser. Allez, au gaz. Hop. Thank you.
attendez. Par exemple, mais là, tu as une conduite plus douce. Par exemple, Au niveau de... Et tu sens déjà le volant quand il est plus léger. Oui. Certainement. En temps normal, je roule dans cette position-là, en temps normal. Hein. Mm-hmm. Sur sport, tu consommes... Bon, pas grand-chose. Non, non, c'est très... On a bien entendu le compresseur. Ouais. Je fais le tour, hein, Martin. Tu sais que le châssis en lui-même, c'est même que de l'ogram. Mais tous les accessoires, triangles, suspensions... Je vois que ce sont des amortisseurs des Bilstein. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Si tu vois les triangles... d'un doge normal et de celui-ci, tu vois ça ici, attends, ce sont des cartaches, tu vois là votre transmission, il est énorme. Oui. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram, embarque avec moi.